Bien. Messieurs, dames, bien le bonjour pour la suite et fin de Sonic Adventure. Là, c'est sûr, on y est, on est à la fin. Normalement, Super Sonic. Allez, on en a pour 20 minutes, une demi-heure, pas plus. Préparez-vous, ça va être rapide. Ça va être que des cutscenes quasiment, les gars. But Angel Island is still falling. This doesn't make any sense. Maybe those chaos emeralds that I brought back with me have something to do with what's happening. I'll take them to Sonic for his advice. Il est pas content. Il n'est point ronron, ce Chaos. Yes, Eggman learned his lesson. Yep. And maybe I'll take another vacation somewhere. Tails, did you find the tornado too? Never mind that. Get up and follow me. Angel Island is falling again. Hey, no way. Who blew it this time? Oh, I don't know, but we'd better hurry. Par contre, je crois que ça va pas beaucoup jouer. Hein. Allez, mais prends-le le chariot. Oh là là là. Alors là, il faut que j'aille. Mais non, c'est pas là du tout. Mais non. On a dit Angel Island. C'est pas du tout là. Qu'est-ce que je fais? Le con. C'est pas du tout là. The train headed for Station Square will be departing soon. Allez, c'est parti, c'est là. Et oui. On a dit l'Angel Island. Oh, saute. Sonic, sorry. Knuckles and Eggman, what happened here? He stole my Chaos Emeralds, and Chaos is still alive. What? Ah, he's not gonna get away with this. Hey, Eggman, wait up. Il se barre en solo. Sonic,
Chaos is a fearsome beast. Oh, if he gets that last Chaos Emerald, we're done for. No need to explain. We'll get on it. Tails? Right. What? Ah oui, c'est vrai que là on a un flashback. Flashback qui apprend pas mal de choses. This place. It looks familiar. It's not a dream after all. Mmh, ouais, c'est là. Get out of my way! No way! Did you hear what I said? I won't obey! We need those seven emeralds to give us total power! It's power for the people! And they are your people too, you know! We must get that emerald! Greed is our enemy! Once it starts, you will always want more! Please don't do this! I beg you! Et du coup, on est en train d'apprendre comment il mord le peuple de Knuckles, si je comprends bien. Si je comprends bien toute l'histoire. Parce que normalement, ça c'est le peuple de Knuckles. Ah, et puis du coup, on voit aussi l'apparition de Chaos. Ok. Ah, et du coup, c'est Chaos qui a tué tout le peuple. Ah oui. Très étrange. Hey, are you all right? I think so. Si. Ah, il n'y a plus les émeraudes, donc ça pourrait être ça en fait, hein. Vraiment. Hein. Ça pourrait être Kers qui a pris les 7 émeraudes et qui a buté tout son peuple. The seven emeralds can change our thoughts into power. If this emerald controls that power, please, you must stop him. Sonic, wake up! I was on a snooze cruise, I guess. Oh, la tête. Good thing you're okay. You just sort of conked out there. Je suis flippé, Taïs. Knuckles left already. Come, we gotta go after the last emerald. Lead the way. Salut, Tony. Merde, du coup, j'ai pas lu ce qu'il voulait. Je crois qu'il faut aller à Station Square, mais je suis pas sûr. Station Square, ouais, peut-être bien, tiens, je sais plus. Est-ce que t'as déjà fait le jeu, tiens, Tony? Ou c'est une découverte? Ah, mais il n'y a même plus la bouboule rouge. Ah oui, d'accord. De toute façon, je crois que c'est vraiment Station Square. Oh, je sais plus. J'ai cru voir un emblème là, attendez. Ah ouais, c'est ça. Bah, faut que je vienne avec Tails ou Knuckles pour le choper. Ah, tu l'as jamais... Ah, t'es pas fan du hérisson bleu. Aïe. L'erreur.
Ah bah du coup, oui, je comprends que tu l'aies pas fait. Ouais, mais je sais plus où il faut aller, merde. C'est dingue. Pourtant, c'est un jeu que j'ai quand même fait pas mal de fois et j'arrive pas à me rappeler de ce qu'il faut faire. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Attendez, que je me rappelle. Est-ce qu'il fallait pas aller dans la jungle là-dessus, justement ? Et si, oui, voilà. Il récupère la dernière émeraude. No, he's got the last emerald. Now what do we do? Et c'est là que ça va chier des cactus. C'est l'intro mais sans la musique. Ça va envoyer du lourd. Vachement beau. Tout est pété en deux secondes. On se croirait dans un scénario de film. Je sais même plus comment ça s'appelle. Le Perfect Chaos qui avait été repris justement dans Sonic Generation, mais je trouvais tellement moins bien fait. If I wasn't just dreaming, that monster is a real menace. Eggman. Avec les carrières de. Looks like he's after Chaos too. You have defied your master, stupid beast. Now you must be destroyed at all costs. Une bien belle tentative du docteur Robotnik. Et il s'envole vers d'autres cieux. I've had enough. Who do you think you are anyway? Oh, it's you. The one who sealed chaos in the Master Emerald. Tikal. Ah bah oui, du coup oui, c'est vrai qu'elle l'a enfermé dans la Master Emerald. Le... always been in the Master Emerald along with Chaos's. Now he's filled with anger and sadness. And if it goes on, he'll eventually destroy the world like he did before. Mm-hmm. Power. He must be sealed in the Master Emerald now.
How can that help? It won't change how he feels inside, will it? His heart will still remain in turmoil, and his anger just won't vanish. He'll just be trapped forever. What choice do we have? Oula. Ce zoom sur Big était beaucoup trop zoomé. Hey, Sonic! Amy! Here, take this! Hey guys, what's up? Chaos only used the negative power of the emeralds. Sonic, you should be able to harness their real power! As much as I hate to admit it, I think Tails is right about this. Go Sonic! Yeah! Elle est où la dernière? Parce que Knuckles il en avait 4, Tails il en avait une, et Amy elle en avait une aussi. Il manque la 7ème, il en manque une. On me la fait pas, Biff. Non mais oh, ça escroque des émeraudes là. Il est tout doré. Allez, combat final les gars. Sonic Super Saiyan, exactement. Totalement pompé de ça. Et bim, dans le cerveau, ça doit faire mal. Oh la vache, oh, ce boost de l'enfer. Je crois qu'il a une deuxième phase par contre. Hein. Sinon ce serait beaucoup beaucoup trop simple. Ah oui voilà. Avec la bonne musique et tout. C'est parti. Putain, attendez, j'en peux plus là de ce téléphone. Oh là là, là c'est infernal, je sens que ça va rappeler dans 30 secondes. Hein. Oh là là, là là, je vous jure. Même le son de Tantel et Oldies. Ah, c'est un téléphone fixe, hein, mais c'est pas à moi ça, mes parents. Mais bon, il commence à me lourder hein, ce son là. Un jour il va voler le machin. Je l'entends pas souvent, mais il me gonfle. Oula. Par contre, je pense que là, j'ai pas assez de boost. Ouais, j'ai largement pas assez de boost.
50 rings, ça va, on n'est pas en dash. Si ça atteint 0, on doit tous retaper. Mais non, mais... Oh putain. J'aurais pas assez... Ouais, pas assez d'élan. Ah là là, si je me fais vraiment stopper par un coup ou quoi, c'est mort. C'est mort d'avance. Le gros soutien, monsieur Gameroli, je travaille, je mets le live en arrière-plan, mais je tente de repasser. Et bah merci à toi, grand cornichon, et bon travail, et surtout. Le plus important. Par contre, ça va pas durer des plombes, hein, de toute façon. Mais. Ah voilà, j'allais dire. Encore un ou deux coups, et c'est bon. Quand même. Plus monsieur Grand Cornichon là, il a réussi à finir Shinobi et tout sans tricher, sans save state, juste avec le talent. Et à la fin, franchement, il l'a géré. Hein. Ceux qui ont pas vu, allez voir parce que la fin, il a géré de ouf. Hein. Le talent, il t'a speedrunné ça, c'était beau. Et ben voilà, il est mouru, Lon. On va s'en souvenir longtemps de ce coup-là, tu m'étonnes. Ah là là. Ah oui, monsieur Darjack, à la fin. Pour la petite cinématique. On va faire durer pour toi, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Ils sont trop mignons. Has changed again, this time for the better. Yeah, Supersonic must have neutralized it, so it's nice again. These are the Chao you were protecting. Gio, il était pas content. Effectivement, il avait pas l'air content. Il voulait que tu recommences, hein, depuis le début en plus. Hein. Commencer depuis le début, c'est pas simple. Là, franchement, de ce que j'en ai vu, ça avait l'air d'être dur, vraiment. Plus dur que Castlevania 2, le bordel. Il s'envole vers d'autres cieux. Oh les têtes. Oh là là, ils se demandent ce qu'ils foutent là. C'est quoi cette tête là? Qu'est-ce que je fous encore là? Pourquoi pas faire une vidéo Revenge of the Revenge Shinobi? Ah, c'est un concept, hein. Après tout. J'ai mes cours à faire, si gars, je suis en arrière-plan cette fois. Ça marche, bon courage, grand cornichon. J'ai commencé Sonic Adventure 2 hier soir, l'OST est dingue, tout comme la caméra. Ah bah ça... La caméra, ça va pas changer. C'est toujours aussi chiant, mais l'OST, ouais. Ah, ouais. À l'OST, tu vas en prendre pour tes oreilles. Hein. Et franchement, je trouve meilleur que celui-là. Hein. Tu verras que c'est beaucoup mieux. Bon, ben voilà. Cette fois, il est terminé à ta tête. Hein. Une affaire rondement menée. Et tout cela en attention
On a fait ça en 26 minutes. C'est exactement ce que j'avais prédit. Donc c'est parfait. Rudoc, ah oui, c'est la fin. Ah oui, c'est générique de fin. Le 2 a l'air court. Bah, comparé avec celui, je pense que c'est peut-être un peu plus court. Ouais, il y a moyen. Parce qu'en fait, dans celui-ci, tu fais l'histoire vue par chaque perso. Alors que dans le 2, tu suis l'histoire des gentils et des méchants, mais avec chaque perso. Enfin, c'est mélangé en fait. Donc, du coup, ouais, je pense qu'ils ont un petit peu raccourci. Après, il y a une troisième histoire qui vient popper, je te dis pas ce que c'est, mais qui rallonge un tout petit peu le jeu pour avoir la fin. C'était quel perso que t'as fait? Et ben là, on a fait du coup Super Sonic pour avoir la vraie fin. Et le doc qui arrive encore plus en retard que moi. Le problème c'est que j'ai mis le message et j'ai quasiment commencé direct, donc le temps que tout le monde vienne et tout, ouais. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de poster le lien plus en avance que ça. Et puis attendre un peu le temps que tout le monde me vienne, quoi. Ça c'est le problème effectivement. C'est pour ça que Hooper il met toujours des plans à commencer, hein, qui discutent et tout, c'est parce qu'en fait le temps que les gens viennent et tout, qu'ils voient le lien, qu'il y a un live et tout, voilà. Ça c'est vrai que je le fais pas. Je devrais. Eh oui, la vraie fin en mode Super Saiyan. Ouais, si jamais tu veux la revoir, c'est pas très long, hein, Doc. C'est beaucoup des cutscenes. Hein. C'est vrai qu'il prévient plusieurs jours à l'avance. C'est ce que je disais à ceux qui c'est à Mouro. En général, j'essaye de live quand je suis tout seul, tu vois. Qu'il n'y a personne dans mon environnement pour venir me casser les noisettes. Sois tranquille. Du coup, bien souvent, je le sais à la dernière minute. Donc voilà. C'est pour ça que je préviens pas toujours en avance. On le voit. Bah si, là, on le voit en Super Saiyan. Perdu, Doc. La cinématique de fin de ce Sonic avec Chaos Perfect. Ah ouais, non mais elle est magnifique. Hein. Pour de la Dreamcast, encore une fois. Magnifique. Avec l'effet de flotte et tout. Les rues qui sont explosées, les bâtiments qui sont en ruine. J'ai la flemme de prévenir aussi. Et quand je le fais, c'est la dernière seconde, j'ai envie direct d'annoncer. Bah c'est ça, moi aussi en fait. Hein. Je le fais direct quand j'ai mis l'annonce. Je devrais pas parce que du coup tu vois il y a plein de gens comme toi qui arrivent et qui du coup ont pas vu plein de choses alors que ça les intéresse potentiellement. Donc ouais, il faudrait que j'attende les prochaines fois un petit peu. Il y a une ambiance un peu horrifique à la Godzilla, c'est vrai, peut-être qu'ils sont inspirés de ça, hein, remarque. Parce que quand tu regardes la trône du Chaos Perfect, il a quand même la tête du Godzilla. Hein. On le corps beaucoup moins, mais bon. Bah du coup on peut aller farfouiller, tiens, les minigames. Qu'est-ce qu'on a eu? Sonic the Hedgehog. Ah mais je crois que c'est celui qu'on a fait sur Master System ça. Attendez. Juste voir un autre truc. Ouais si attends. Attendez, on va regarder ça. Mmh, 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 mmh.
Ah oui. Oh la vache. Oh, mais oui, c'est ça, c'est le premier Sonic. Mais c'est de toute beauté. Et en plus, ça marche tout bien. Oh là là. Je me rappelais plus qu'il l'avait mis, tiens. C'est beau. Bon, allez, on fait le premier niveau. Après, j'essaierai le drift, là, vite fait. Histoire de meubler un peu, parce que du coup, je vais pas relancer un live derrière. Mais je pense que le prochain sera Sonic Adventure 2, hein, clairement. Ça va être Sonic Adventure 2, je le sens gros comme une maison. Comme j'ai envie de le refaire. Tadam ! Ça pique. Ah ouais, là, à mon avis, ça doit piquer pour vous, ouais. Par contre, est-ce qu'on peut quitter? Quoi? Ah si, là. Ouais, c'est propre à la version DX. Merde, je voulais lancer la drift. En fait, tu dois chercher les emblèmes. Et puis, au bout d'un certain nombre d'emblèmes, tu débloques ces mini-jeux. Il y en a 12 ou 14, je sais plus exactement. Drift. Oh, mais c'est quoi ces combinaisons pour faire des drifts et tout? Ouais, je sais plus exactement quel jeu tu as de débloquable. T'as Sonic Cares, je crois. Sonic 1, Sonic 2. Bon, c'est que les jeux Game Gear, attention. Mais ouais, je sais plus exactement. J'avais la liste le dernier coup. On me l'avait filé. Ah non, sur Dreamcast, non, c'est sûr qu'il y est pas. Oh la vache, ça pique les yeux. D'autant plus que là, du coup, comme je suis pas chez moi, wow, l'écran que j'utilise là pour le PC, c'est un 122 cm. Mais genre, je suis à 10 cm quoi, 10-15 cm de l'écran. Comment dire que ça me pique les yeux. Là, je pense que je peux prendre rendez-vous chez Optique 2000. Hein. Là, j'ai plus d'ailleurs. Là, je risque de finir comme Gilbert. Wow. Oh, mes pauvres yeux. Là, j'ai beau être au matinal, j'ai mal. Hein. J'étais premier, dis donc. Bref, ça défonce les yeux. Red Racer sur NES. Ah, je crois que je l'ai en plus celui-là, Red Racer. Ou alors je l'ai. Ah, je sais plus. Je sais plus si je l'ai encore ou si je l'avais utilisé pour faire un kart mode. Fais gaffe à pas de finir comme Gilbert, bah tu vois, ouais. Connexion neuronale, exactement. Je sais plus si c'est... Ah oui, dans Trial, t'as des mini-games. Mais je crois que... Attendez. C'était dans quoi? Il me semble qu'il y avait Metal Sonic disponible là-dedans. Which character? Il y avait... Si, normalement, il y avait... Normalement, il y a Metal Sonic, mais c'est dans quoi? Ah, c'est bizarre, tiens. Ah non, mais je crois qu'il se débloque en fait à partir d'un certain nombre d'emblèmes. Ah ouais, mais en fait, c'est mort. Merde. Oh putain. Là, voilà. Mais what? Oh, ce bordel des menus. Ah ouais, en fait, ok. Ah oui, même les courses de chaos. Oh purée! Ah ouais, d'accord. Oh la vache. T'as rien compris à la course, Doc? Ça tombe bien, moi non plus. J'ai rien compris.
Ouais, je crois qu'il faut le débloquer, mais je sais plus à combien de temps. Je vais regarder sur, sur notre ami Google. Sonic Adventure DX. Je sais plus du tout combien d'emblèmes il fallait. Portage et adaptation, non, je m'en fous. Accueil, je m'en fous. Ça, je m'en fous. J'aurais dû marquer Solus. Voilà, Solus. Les emblèmes supplémentaires. Changer de snowboard. What? Super. Alors un 15 d'argent, image cachée, alors un 15 doré. Changer de vue, tac tac tac. L'œuf d'apothicaire. Alors Tess Adventure, Sonic Car, c'est la meilleure. Putain, il parle même pas de Metal Sonic. C'est quoi ce bordel? Metal Sonic. Et je crois que dans le patch que j'ai la possibilité de, d'activer des cheat codes et tout. Et genre je peux débloquer ce que je veux, il me semble. Attendez. Donnez-moi 30 secondes, je vais regarder. Débloquer le mode Gilbert, tous les persos portent des lunettes de soleil. Allez là la caméra. Alors, attendez. Faut que je retrouve juste où est stocké le jeu. C'est dans Steam Apps Common Sonic Adventure DX. Est-ce que c'est ça? Il me semble qu'il y a moyen de tricher. Ou c'est avec ça, tiens, peut-être. Ouais, c'est ça, voilà. C'est quoi ça? Ouais, si tu veux, vas-y. Faire une mise à jour, tac. Ouais, me casse pas les noisettes, toi. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a planté ou quoi? What? Ah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il a pas aimé la mise à jour, mais bien sûr. Du coup, j'arrive plus à ouvrir le truc. Magnifique. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh, ah oui, d'accord, il m'a carrément fermé le jeu. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ça arrive, hein, les gars. 30 secondes, paniquez pas. Tricher, là, c'est une manie dans cette communauté. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'il dit, le doc? Mais il est méchant. Il n'est pas gentil. Il est vilain, le monsieur. C'est quoi, le monsieur? C'est une grosse merde. Il va dire que c'est une grosse merde. Espèce de con! Bon, allez, dépêche-toi, là. Sortez-vous les doigts du cul! Plus vite. Ouais, Benjamin. En plus, vous avez une pauvre image noire, là. Allez. Préparation terminée, tournage. Allez là. Il est où le SSD magique là? Pas le temps d'attendre. C'est pas le piton d'attendre ce truc là. Si ça se trouve, ça va complètement foirer en plus. Ce serait un petit peu scandaleux. N'empêche la mâche qui pète le truc.
alors que j'ai déjà fait une mise à jour il y a 2-3 jours, ça a marché impeccable. Il faut que je lance un live pour que ça foire. C'est quand même incroyable. Mais allez, mais t'installes quoi là? Il est en train de me réinstaller Windows ou quoi? Mais allez, active-toi le pistil. Oh là 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 là. Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. On se souvient de ton dernier live, rien qui fonctionnait. Alors c'était pas le dernier, hein, c'était l'avant-dernier déjà. Monsieur, hein. Et puis je vois vraiment pas de quoi tu parles. Vraiment là. Ah enfin. Failli attendre. Hein. Donc. Non, fais pas ta mise à jour, casse pas les noisettes, voilà. Et du coup, il m'a tout. Oh là là. Oh patin. Ouais, le Super Sonic, il a été bouclé en 2-2. Ça a pas traîné. Bon, allez, oh là. Alors, ah ben voilà, of all emblems, et ben voilà, c'est exactement ce qu'on veut. 60 fps cutscene. Je sais plus si je l'avais, si je l'avais coché, on va dire que oui. Tac tac tac, disable, je sais plus, pardon, mec, Sony. Ah, y a quand même pas mal de trucs. Hein. Y a pas mal de trucs, dis donc. Voilà. Alors, je relance le bousin. Hop. Est-ce que vous avez l'image? Sonic Team. Sonic Team. Bon. Allez, faut que je rebranche la manette, je pense. Ah. Ok. Ah ouais, ça a marché, j'ai tous les emblèmes. Et voilà, Metal Sonic. Bon, je vais juste faire un niveau vite fait. Allez, celui-là. Comme ça. Voilà, c'est Metal Sonic de Sonic CD. Plutôt bien fait, je trouve. Par contre, je crois que c'est juste un espèce de skin sur Sonic, quoi, en fait. Hein. En fait, il court de la même manière et tout. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ah ouais, quand on fait la boule, on voit limite que c'est Sonic, quoi. Oh, les feignants. Oh là là, les feignants. Bah alors, monsieur Sega. C'est pas très gentil, ça. Hein. Ouais, c'est juste un skin. Hein. Aïe aïe aïe. C'est l'hécatombe pour l'équipe française. Par contre, au bout d'un moment, il se met à voler. Enfin, à planer. Marrant ça.
Merde. Ouais, c'est ça, c'est un skin de Sonic en fait. Hein. C'est un mélange entre Sonic et Super Sonic, comme tu dis, parce que du coup, il flotte comme Super Sonic. Ils ont fait un mix des deux. Puis ils ont rajouté un petit son quand ils sautent, vu que Metal Sonic n'est pas censé parler. Et voilà. Bon, qu'on soit d'accord, hein, ça sert complètement à rien de faire ça avec Metal Sonic. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est juste pour dire, je contrôle un méchant de Sonic. Hein. Du coup, est-ce que on a tous les mini-jeux? Ah ouais. Bah comme ça, ça va permettre de vous montrer aussi la liste. Donc Sonic the Hedgehog, Drift, Chaos, qui est pas mal. D'ailleurs, il y a un fan game qui est en train d'être fait sur celui-ci. Sonic Spinball. Oh là là, non 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 non. Satanerie, virez-moi ça. Sonic Labyrinth. C'est pas celui-là qui est ultra long. Sonic 2, Min Bean Machine, triple trouble. Ah mais il en manque deux ou quoi? Attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, il en manque. Oh, bizarre. Le Spinball Go. Oh, qu'est-ce que vous... Je vais le lancer, mais on va rien faire dessus, hein, les gars. Je joue pas à ça, moi. Vous êtes complètement tapés. Hein. C'est nul. Quasi identique à la version Mega Drive. Donc c'est tout aussi pourri, j'imagine. Je sens que le fun va être palpable avec ce jeu. What? Oh. Oh là là là. Secours! Ça rappelle les heures les plus sombres quand même. Hein. Putain, je comprends rien. Et vas-y! Oh la vache! Oh mon dieu! Ah, c'est vraiment Jeanne au secours, hein, ce jeu. Mais non. Mais... On n'est pas bien, là. Ah non, non. Non, non. On regretterait presque Shinobidon. Ce bon vieux Shinobidon. Et Castlevania 2. T'as fini Sonic Spinball sur Dream, enfin sur Game Gear, Benjamin. Bah t'as bien du courage. Hein. Par contre, va falloir qu'on parle de ton enfance. Hein. Finir ce jeu, là, vache. Mais vas-y, mais chope l'émeraude. Comment je suis censé l'avoir en plus? Attends. Je comprends rien au jeu. Eh? Mais non! Mais je voulais l'émeraude! Mais. Pff, qu'est-ce que c'est que ça?
Oh là 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 là. Mais. J'allais dire, il peut pas faire la roue. You need to collect all the emeralds. Oui, mais je sais bien qu'il faut les émeraudes. Espèce de sac. Mais non, mais... De plus en plus intéressant ce mini-jeu. Ah, le fun est palpable. Le fun est palpable. Est-ce qu'on regretterait pas le jeu du Hooper d'hier, là? J'ai perdu 10 à chaque œil là avec ce jeu. La vache. Oh mes yeux. Oh, ça brûle. Hein. C'est même pas des conneries en plus. Ouais, j'ai une émeraude. C'est la fin du jeu. Voilà. Au revoir, merci. Oh, y a des anneaux. Ils sont bien planqués les anneaux, dis donc. Ah, ils avaient mis ça aussi déjà sur la Game Gear. Ah ouais. Incroyable. Vachement évolué ce compte de jeu. Quand tu rentres chez Roger Grollet, tu dois finir le jeu tous les soirs. Tu me feras 120 Sonic Spinball. C'est comme ça qu'on finit Sonic Spinball, bordel de nom de Dieu. Mais oui, mais je sais qu'il faut les émeraudes. Oups. À monter, mais oh là là là, mais non, mais non, je sais vraiment pas où je vais. Hein. Je me laisse porter. Mais non, je reviens en arrière. Ah, je reviens en arrière. Déjà, j'avance pas, mais en plus, si je recule, alors là, on va. What? Ah, bah j'ai une émeraude, je sais pas comment, dis donc. Encore une, mais t'abuses. Ah, oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Je me dis pas qu'il faut reprendre toutes les émeraudes, hein, parce que alors là, je sais même pas la peine, je referai pas. Hein. Est-ce qu'il faut les rechoper à nouveau? Ah merde. Bref, c'était palpitant. C'est comme ça qu'on envoie Sonic vers l'émeraude, trop du cul de main de Dieu. Ah celui-là aussi, il y a un fan game qui est en train d'être fait. Sonic là bien, c'est mauvais. Attends, on va le lancer 30 secondes et puis après on s'arrêtera là. Parce que oui, c'est Sonic là bien, s'il est réputé pour être mauvais. Très lent et tout.
ça va vite. Ah si, ça va vite quand même. C'est juste quand il court comme ça, il va pas vite. What? What? Ah ouais, c'est un... Ok. C'est quoi le but? Ah mais il faut avoir la clé. La clé de Dame Ginette. Ah mais il en faut 3 en plus. Ah ouais, ok. Ok, ok. Mais va-t'en, saleté de truc pourri. Mais tu te fous de moi. J'ai pas vu la troisième clé. C'est Sonic Fort Boyard. C'est quoi ça? J'ai la clé, vite, sors. Qui a mis un pouce rouge? Ah bah ça je sais pas, mais écoute, ça lui fait plaisir, hein, pas de soucis. Moi je m'en tamponne le bon gros coquillard des îles Galapagos. Attends, mais j'ai même pas la troisième clé, c'est quoi ce con de jeu là? Ah mais attends, c'est lui qui l'a. Ah mais oui, il a la clé. La clé de Dame Ginette, c'est lui qui l'a. Ouais. Game of the Year. Good luck, il n'inaugure rien de bon, effectivement. Mais c'est quand même plus simple que Sonic Spinball. Hein. Je préfère ça à Sonic Spinball, hein, parce que le Spinball est dégueulasse, mais en plus, tu comprends rien à ce qui se passe. Bref, on va quand même pas le finir, hein, faut pas déconner. Qu'est-ce que je voulais montrer? Non, bah je crois que c'est tout, en fait. Hein. Je crois que c'est tout. Test. On va mettre une musique de fond, tranquille. Voilà. Ah merde. Voilà, c'est très bien ça. Sonic Spinball est un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre de ce qu'il faut absolument pas faire dans la vie, tout à fait. Donc c'est une purge. Mais déjà Sonic Spinball sur Mega Drive, on avait essayé, on avait complètement foiré, on n'avait pas réussi à le finir. Alors celui-là sur Game Gear, c'est pareil. Tout aussi dur et pas intéressant. Après, je suis pas un grand fan non plus des Spinball, enfin des flippers, mais quand même. Ça m'arrive d'y jouer. Mais là, non, franchement, non. Je crois que le jeu il va rester sur l'étagère et il y restera pour toute sa vie. Hein. Tellement c'est pas bon. Bon bah en tout cas c'est une affaire rondement menée. Hein. On a réussi à finir Sonic Adventure. Il reste plus que le 2. Hein. Il reste plus que le 2. Comme dit, le 2, je suis quasiment sûr qu'on va. Enfin, que j'ai plus prendre de plaisir dessus, c'est sûr et certain. Même si celui-ci, j'ai beaucoup aimé encore une fois, il est excellent, mais. En fait, dans le 2, ils ont corrigé pas mal de bugs, et puis le fait que. En fait, on alterne les phases, sans avoir à refaire l'histoire des persos, je pense que ça nous met plus dans l'histoire, et c'est moins. C'est plus digeste en tout cas. Là, devoir refaire à chaque fois les histoires, revoir les mêmes dialogues et tout, ouais, c'est un peu chiant quoi.
Donc ouais, je pense que le 2 il sera bien mieux, franchement. C'était super de redécouvrir ce jeu. Et bien content que ça t'ait plu, monsieur Darjack. Salut Shining, bah t'arrives à la fin du coup. Tu as loupé la magnifique fin de Super Sonic Saiyan. Et ben voilà, Shining, il aime pas Spinball, mais voilà, mais il a tout compris. Spinball, c'est une bouse. Et Sonic Labyrinth, c'est un très bon jeu, voilà. J'ai appris le kanji pour dire un mot d'une importance capitale. Le mot d'importance capitale, ça va être Sonic Spinball. Vésicule biliaire, ah oui. C'est un problème de vésicule biliaire, au moins tu peux le lire. C'est du bien de voir ce jeu en live. Tu parles duquel du coup, Benjamin? De Spinball? Ah, parce que c'est Spinball. Ça peut faire peur. La fameuse musique des opions de Spinball, on s'en souvient encore. Ah ouais. J'ai encore mal aux oreilles. Je me souviens quand on l'a fait, c'est lors des premiers lives hein, qu'on a fait en plus. On avait fait Sonic Spinball, on s'est arrêté au deuxième ou troisième niveau, c'était... Et même en essayant de tricher, on n'avait pas réussi à le finir, donc... C'est dire à quel point le jeu est dur. Ah bah, grand cornichon, c'est un problème de vésicule biliaire, au moins tu sais le dire, voilà. Ou alors tu peux te reconvertir en médecine. Hé. Hey. Tout simplement. Tu dis que t'as vu tous les doctorats, c'est bon, hein, t'as ton doctorat. Hein. J'imagine pas trop Jigenji. Ouais. Ah, c'est des mots comme ça, écoute, il va pas s'ennuyer. Hein. Ah oui, il ressemble à rien du tout le truc. Vache. Le seul Sonic que j'ai pas fini avec Shadow the Hedgehog. Ah, Shadow the Hedgehog, il est pas mal aussi. Mais un peu répétitif aussi. Après, Shadow, je suis honnête, c'est pas un perso que j'apprécie beaucoup. Ah, j'ai juste aimé faire son donc Shadow of the Hedgehog et puis le voir dans Adventure, mais franchement, après il avait plus vraiment d'intérêt d'être dans les autres jeux, hein, sérieux. Enfin bon, si je dis ça, j'aurai encore un pouce rouge, loul. On dirait une fenêtre que Gros les ferme. Ce bon vieux Gros les. C'est comme ça qu'on ferme une fenêtre. Trop le cul de loin de Dieu. Bon bah les gars, écoutez, on va arrêter le live ici. Bah, je vous remercie d'avoir suivi ce let's play sur Sonic Adventure. Hein, qui vous aura plu, je l'espère. Et puis bah on va essayer d'enchaîner rapidement avec le 2. Hein. J'ai hâte de le refaire. Avec les phases de recherche d'émeraude. Les phases de shoot avec Tails et Eggman. Tout. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Donc je vais essayer de faire ça rapidos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée les gars. Et à plus.